sujet inépuisable de son cinéma.刚开始用女性是因为我当时在拍一个主题是关于青少年犯罪的一些事物，那我当时我想找一个演员，是一个高中生，还要勒索小学生，在台湾是一个社会新闻，然后我就觉得这个高中生应该找一个看起来他的外形，你看不出来他是坏小孩，跟一般人是一样的。所以我应征了很多演员我都没有太喜欢所以我就我当时有一个习惯，因为我开始在使用这个演员，所以我很爱在街上看人那有一天我去看一个电影好像是大卫林奇的电影然后下出来的时候就遇到了小康，他坐在一个摩托车上面，停靠在路边的摩托车，然后我就觉得他的外形有点吸引我，我就过去跟他搭讪，我问他愿不愿意演戏，我们就这样认识。Boy, ça c'était le sujet du film, c'était un crime commis par un lycéen qui faisait un chantage à un petit écolier. Et c'était un fait divers réel qui a vraiment ébranlé la société taïwanaise. Pour ce film, je voulais que le rôle du lycéen soit joué par quelqu'un qui a l'air gentil. C'est un mauvais garçon, mais qui a vraiment l'air gentil. Et je fais passer des auditions, des acteurs professionnels, mais je n'ai pas été satisfait. Et à cette époque, quand j'ai commencé à travailler avec des acteurs non professionnels, j'ai eu l'habitude, en fait, de regarder les gens dans la rue, comme ça. Un jour, lorsque je sortais d'une séance, je pense que c'était un film de Terry Lynch, et quand je sortais de la salle, j'ai vu des personnes qui se trouvaient sur une moto, sur le trottoir, et son physique m'a attiré dès le premier regard. Et je me suis approchée de lui, lui demandais, est-ce que tu veux bien venir tourner avec moi dans le film? Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. 我第一次跟李康是合作，大概第三天我就有点后悔。En fait, quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, j'ai regretté mon choix dès le troisième jour. 因为他有一些节奏，不是我习惯跟以前的演员的那种合作的演员的那种节奏，怎么讲呢？他就是很慢，然后讲话的速度也非常慢，大概慢了两拍这样子，所以我很害怕那个效果，表演的效果没有出来，所以我就一直要求他重来。我记得有一个镜头是要拍他回头的，转头的，就我觉得有点像机器人在转头，就一直 NG 他。后来李康生，我就说你，我大概在旁边就一直跟他讲说，你要再自然一点，可不可以再自然一点？他突然间就跟我说，其实我就是这个样子，他蛮无辜的那种感觉，我忽然间就有一点点醒过来，就其实每一个人的那个动作状态是不太一样的，为什么我们会有这种要求，要他跟别人一样的，所以我自己就想一下，就逐渐我就开始接受。Et c'est parce que son rythme est vraiment très différent des autres. Ce n'est pas du tout le rythme dont je suis habituée avec les acteurs professionnels. Il était très long, que ce soit son geste ou son débit, tout était très long, plus long que d'habitude. Et donc, au début, j'avais peur que les effets que je voulais mettre dans le film ne soient pas bien fait, qu'il y a un problème de rythme, donc on recommençait les mêmes plans, je ne sais combien de fois, c'était plus NG. Et par exemple, une scène où il devait juste tourner la tête comme ça, regarder en arrière, et pour moi c'était un peu comme un robot avec un geste en ralenti. Et je lui ai répété sans cesse, est-ce que tu peux être un peu plus naturel, s'il te plaît? Encore un peu plus naturel, et au bout d'une
combien de fois, il m'a dit, en fait, c'est comme ça que je suis. Et ça m'a réveillée tout d'un coup. Je me suis dit, oui, effectivement, chacun est différent. Et pourquoi est-ce que je voulais qu'il soit comme les autres? Et est-ce que je peux justement accepter sa différence? Mmh,